Bonjour à tous les élèves de la classe de CE2F de l'école de Petit Bazar. Nous sommes mardi 14 avril 2020 et c'est une nouvelle journée d'école à la maison. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques et que vous êtes prêts à repartir pour une semaine de travail. Nous commencerons comme d'habitude par échauffer son cerveau avec un petit peu de calcul mental. Il y a deux pages de calcul mental. La première, c'est de la soustraction. Vous prenez bien votre temps et vous faites la soustraction de tête. Et la deuxième, c'est multiplier par 20. Alors, qui a une idée de comment on fait pour multiplier par 20? Allez, je vous aide. Pour multiplier par 20, on multiplie d'abord par 2 et ensuite, on ajoute un 0. On fait un exemple. Par exemple, 21 multiplié par 20. On fait 21 multiplié par 2. Donc, c'est prendre le double multiplié par 2. Ça fait 42. Et on ajoute un 0, cela fait 420. Un autre exemple, prenons 150 multiplié par 20. Nous prenons 150 multiplié par 2, ça fait 300. Et on ajoute un 0, ce qui fait 3000. Voilà, vous avez l'astuce, à vous de faire ce calcul mental. En orthographe, la première fiche de travail est sur le féminin des noms. Donc, tout simplement, il faudra trouver le féminin des noms demandés. La deuxième fiche de travail est une fiche de révision par rapport à vendredi, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de confusion entre « et », le verbe « être », et « et » et « puis ». Donc, pour remédier à cela, vous m'offrez la fiche sur les homophones. En conjugaison, on conjuguera cette fois-ci toujours au présent de l'indicatif les verbes « fuir »,« mordre »,« fleurir » et « surgir ». En problème, vous ferez les problèmes qui vont de 80 à 85. En calcul, toujours sur la soustraction posée, vous ferez les fiches 11 et 12. Et enfin, en lecture, vous répondrez aux questions sur le texte « La maîtresse en maillot de bain ». C'est tout pour ce mardi 14 avril 2020. Passez une bonne journée et soyez en forme pour cette semaine de confinement. À jeudi !